qui est l'un des villages maires du département du Grand Nord. Je voudrais saluer toute la notabilité de TVSO qui accompagne notre grand chef, Nana Philippe. Je voudrais saluer notre grand chef de PTSO qui, lors d'une cérémonie ici même, m'a baptisé Didier Héroco. Saluer tous les autres chefs qui ont effectué le déplacement pour venir nous accompagner. Certes, c'est un championnat, c'est pour les jeunes en général, mais quand les chefs et les adultes nous accompagnent, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont déplacées pour venir nous accompagner. Lors de ce tournoi, nous voulons un esprit. On nous a dit qu'il y a 14 ou 15 villages. Le football, le Maracana est un facteur de rapprochement. Et chacun de nous devra être un ambassadeur de la paix. Chacun de nous. Nous devons tout faire pour éviter la violence dans le sport. Je n'hésiterai pas à bannir certains villages du championnat. Et vous le savez, cette année même, il y a des villages qui ont été bannis. Donc, nous n'hésiterons pas un seul instant. Ceux qui veulent transporter la violence sur les stades, nous allons les rayer de la liste. À nos jeunes frères, au-delà même du ballon qui court sur le terrain, c'est un esprit que nous voulons inculquer entre les habitants de nos villages de Grand Laon. Comme je l'ai dit, soyez des joueurs conscients. Tous ceux qui se déplacent veulent voir du bon football. Et dites aussi à vos supporters, raison gardée, d'éviter de faire la violence. S'il y a violence, je pense que ça sera la mort du championnat. Et personne ne le souhaite. Donc, produisez du football. Au final, nous aurons des trophées. Mais vous voyez plus loin que les trophées. Si c'est les trophées, on peut trouver 16 trophées pour donner aux 16 équipes. Le problème, ce n'est pas un problème de trophées. Voilà, c'est un esprit qui est derrière le championnat. Et chacun d'entre nous va cultiver cet esprit. C'est pour ça que nous laissons tout. C'est pour ça que nous allons dépenser des millions pour occuper nos jeunes pendant ces vacances. Sinon, il y a mieux à faire, il y a des classes à construire, il y a des bancs à fabriquer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous allons utiliser ce temps des vacances pour vous occuper sainement. J'espère que vous allez montrer que vous êtes vraiment à la hauteur de nos attentes. Si ce aujourd'hui n'est pas un jour de discours, nous allons faire place aux joueurs, puisqu'ils sont au premier plan et nous produisent. C'est vrai que c'est un match de départ, un match d'ouverture du championnat, mais je suis sûr qu'ils pourront nous gratifier du bon football, du bon Maracana que nous avons tous. Je vous remercie.